Petite vidéo obligatoire, Cristiano Ronaldo. Avec l'accent anglais, parce que des fois ça m'arrive d'être bilingue. Incroyable, à la dernière seconde, il sauve encore son équipe et en Ligue des Champions, Ronaldo numéro 1 en Ligue des Champions à mes yeux. Vraiment, la Ligue des Champions c'est sa compétition. Quand je dis ça, ça veut pas dire meilleur joueur de l'histoire. Non, mais en Ligue des Champions, pour moi, meilleur buteur, meilleur passeur, le nombre de matchs, il a tout, il a tout, il a ses stats, il a les trophées, il a individuel, collectif. En Ligue des Champions, c'est extraordinaire, c'est sa compétition. C'est plus la C1, c'est la CR1, maintenant, il devrait appeler ça. Non, mais c'est un peu d'humour, mais c'est incroyable comment, à son âge, j'en vois, ils arrivent 30 ans, ça y est, ils ont abandonné physiquement, truc et tout. Par contre, qu'est-ce qui m'énerve quand il retire son maillot à chaque fois, Ronaldo, quand il marque? Qu'est-ce qui m'énerve? Mais tu prends des jaunes pour rien, et après, en plus, c'est pas la première fois, hein, il s'est déjà fait douiller, il suffit d'une petite faute derrière, tac, suspendu un match et tout, ça, faut faire attention, Ronaldo. Fais attention. Bref, c'est une petite vidéo vraiment pour... Parce que je sais que vous aimez bien quand l'un ou l'autre, ou quand il y a de l'histoire. Tu sais, c'est des petits moments, des petits moments de reconnaissance que j'offre à certains joueurs, mais qui restent gravés dans les mémoires. Dans un an, tu te dis, ah, te rappelles ce but-là, tiens, on va revenir. Waouh, truc de fou. Non, Ronaldo, oui. Ronaldo, aujourd'hui, n'est plus le Ronaldo d'avant. Oui, Ronaldo, au milieu de terrain, n'a pas la qualité de passe de Lionel Messi. C'est pas un joueur qui va construire de fou. C'est un joueur en remise et je pars. J'attends au centre. Je suis là pour essayer de planter et faire gagner mon équipe. J'ai 36 piges ou je sais plus quel âge il a. Il va avoir 37 ans en janvier ou février prochain. Le mec, ça y est, sa carrière, elle est derrière lui. Mais le gars continue à faire grandir son histoire. Là, ça veut dire chaque plus petit truc qu'il met, c'est un énorme truc qu'il apporte sur le palmarès qui a déjà dépassé la majorité du football. Chaque petit but en C1 est un immense pas encore en avant, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand t'es déjà, ça y est, au-dessus de 99%, voire 100%, ça dépend qui verra comment, ce qu'il fait en plus, c'est magnifique. Et ça, faut pas l'oublier. C'est comme Messi. Alors Messi, oui, il y a cette petite touche de génie, de joueur qui porte un peu plus le ballon, de constructeur, et d'une patte gauche extraordinaire. Hein. Moi, je vante les deux. Moi, j'en dénigre pas un sur les deux. Mais Ronaldo, aussi, en Ligue des Champions, voyez. Voilà, un match comme ça, tu peux le perdre. Un match comme ça, t'es Manchester, tu peux faire nul. Et voilà, et derrière, ça a un impact, parce que t'avais fait le nul d'avant, ou voire même la défaite. Et boum, 3 points que t'empoches, tac, dernière minute, voilà. Bizarrement, ouais, c'est toujours les mêmes buts, et oui, mais toujours le même qu'il aimait aussi. Pourquoi? Parce que le football, faut le pratiquer pour comprendre pourquoi. Ou avoir l'œil. Ronaldo, incroyable. Historique, ce mec. Voilà, c'était un petit hommage, mini hommage. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.